like I do. I know niggas no dogs, sell dog food. No my game on point, no hard food. No these niggas set a fry, so I told them get f- Yup, c'est la Sarnef C2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur The Guerre Freestyle Corset 3. Je crois que vous m'avez demandé à un moment donné de faire Freestyle Corset 2, que j'ai pas fait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire le 3 pour voir un peu ce que ça va donner. Alors, on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà dit. Avant ça, petite dédicace vite fait pour Pharrell, Umaru, Jefferson et Tarek. Ils vont se reconnaître. Ils vont se connaître, c'est les petits de la cité, ils se reconnaissent. D'ailleurs, alors, petite parenthèse vite fait, et dites-moi si c'est aussi le cas pour vous en fait. On a tendance à croire que. En fait, il y en a beaucoup qui disent que les petits prennent la relève, etc. Genre en mode, ils vont continuer à faire ce que les gens de notre âge faisaient, c'est-à-dire tout ce qui était. Je sais pas, les histoires d'alcool, de drogue, de bagarre, enfin. De faire n'importe quoi en cours, etc. Enfin, tout ce que globalement on faisait quand on était jeune, quand je dis on, ceux qui viennent pas de la cité ou autres ne vont pas comprendre. Ceux qui viennent vont comprendre. Je pense qu'on va comprendre. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui disent ouais, les jeunes reprennent la relève et tout ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Là, en l'occurrence, les quatre petits avec qui j'ai parlé, donc Pharrell, Umaru, Jefferson et Tarek, au moment où je les ai vus, c'était après. Je les connais pas en vrai, hein. Enfin, je les connais pas en vrai. Je les connais en vrai, mais ce que je veux dire, c'est que je les connais pas dans leur vie de tous les jours. Ça se trouve, en vrai, c'est des fouteurs de merde, etc. Mais ce que moi, je voyais d'eux, c'était des mecs super cool. Super cool. Donc, big up à vous, les gens. Shout out to you. On va voir ce que ça va donner. Ils m'avaient demandé initialement de faire une vidéo sur SDR Game, mais j'ai déjà tout fait sur eux, en fait. Donc, hormis attendre, mais ça aurait servi à rien. Let's go. Merde, j'ai loupé. Mince. Let's go! J'ai un appui autre part en fait, c'est pas grave. 2! 1! Corset 3! T-Max 530, je rafale là-bas, ça s'entend. 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 J'ai passé la douane, j'ai passé la tonne. À cette police, on a mis la gomme. Je vais casser la porte. Ici, ça met des bâtons dans les roues. On a fait des euros, fait des heureux. Et pour du cash, on a fait des horreurs. Une erreur, ça pardonne pas. Uzi, famas, papa. Et t'inquiète pas, j'ai pas eu ce que je veux. On ne rentrera pas. Que des revenants et des revenantes. T'aimes pas, je sais pas pourquoi t'es venu. Deux semaines après le deuxième épisode. Corset, c'est le troisième épisode. Pas d'état d'homme, j'irai les fracasser à d'hommes. Que des fessés au bébé cadom. À 200 les motards, on fait chasse à l'homme. J'ai tout jeté, putain, le plan dans ton malo. J'm'endors à l'eau, plus de batterie à l'eau. Commission alors, fais gaffe à l'autre. Qui fait semblant qu'il est content pour toi et qui dira que t'as pris la grosse tête dans le dos. Et j'tire une taf sur le mousseux. Merci monsieur, enchanté, moi c'est Messi. Tous tes potes, passe-leur le message. Dis-leur à France, ils font le ménage. Ensemble, pépé, Charles le peupon en 4 pépins. Sport, Audi, TT, j'suis sur terre-terre, est-ce que t'entends? T-Max 530, j'rafale là-bas, ça s'entend. 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 Le grand pétard, là j'vais rentrer tard. 3h15 dans la chambre, on est 4. Trop décalé, j'connais pas la date. J'ai trop fumé, j't'avoue, j'ai la dalle. Pas de bénévolat, j'encule le game, je ne plaine de voler. J'pilote avec genoux sur le volant. Si fax la brue, j'augmente le volume. J'ai ce que j'fais, 1, 2, 3, 4, quel que j'ferme, on s'forme. Et j'ai même quitté le four. 3 pêches en arrière, j'grattais la feuille déjà. Tout le monde m'a fait pour un fou. Travail de fond, ouais, c'est ça qu'il faut. Là, j'vois tous mes ennemis qui fondent. Sky, RBC, on vient pour les choquer. Et mettre toute la concu dans la tombe. Mais je temporise, j'vois le temps pourri. Pas le temps de faire le top modèle. J'te vois toujours dans la zone moderne. Depuis, voilà les retours de mon ex. J'ai fait le tour de mon équipe, j'ai fait sauter tout le monde. Maintenant, les pas, j'les fais tout seul. Et là, j'suis un peu plus dans le mood. T-Max 530, j'rafale là-bas, ça s'entend. 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 T-Max 530, j'rafale là-bas, ça s'entend.
Alors, franchement, en vrai, hein, je dirais bon clip. En vrai, je dirais bon clip. Il n'y a pas de problème. Genre, vraiment, je dirais bon clip. Par contre, et justement, c'est là où je comprendrais pas trop, c'est pourquoi est-ce qu'il... Parce que concrètement, en fait, moi, les rappeurs comme ça, ils sont vraiment chauds. Il n'y a pas de problème, ils sont super chauds. Et il a un style où il me fait penser à... Comment ça s'appelle? Il me fait penser à... Il me fait penser à... Ninho. En fait, il a une façon de rapper qui se rapprocherait presque de celle de Ninho au tout début. Hein. Pas le Ninho, non, le Ninho de... Tu regardes loin, là-bas, tu regardes loin là-bas, derrière toi. Tu te retournes, tu regardes loin, et là, ça ressemble à Ninho. Alors moi, je dirais, si... Après, il regarde sûrement pas mes vidéos, hein, mais si je pourrais conseiller un truc, ça serait retirer le mot freestyle du truc. Parce que s'il sortirait un truc qui s'appelle... Corsé 1, 2, 3, etc. Là, c'est original, tu peux dire que c'est original. Mais t'appelles ça freestyle corsé. Genre, ne serait-ce que le mot freestyle, il retire déjà l'originalité de tout le truc en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est comme maintenant les groupes qui mettent Machin Squad, Machin Gang et tout ça. Genre, s'il y avait 2-3 personnes qui le faisaient, d'accord, mais ils le font tous. C'est pas possible, les mecs. C'est pas possible, vraiment. Et vous allez voir, et ça, je vous le dis, le jour où il y a un groupe de rap qui perce au niveau grand public, genre vraiment, quand je dis qui perce au niveau grand public, c'est-à-dire qui fait 3, 4, 5, 6 musiques, allez, au bout de la 7e, tu sais vraiment qui ils sont, etc., au niveau grand public. S'il y a le mot gang dans leur nom, soit les gens vont juste prononcer le nom sans le mot gang, parce que tout simplement ça sert à rien, et ça en est pas un, ou alors vous allez vous-même devoir retirer le mot gang. C'est sûr. C'est sûr. Enfin bref, The Guerre. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez rare. En fait, je peux pas. Sur ce que je vois de lui, il est bon. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il sort pas de choses souvent. Ou après, c'est peut-être que lui, en fait, fait son taf. Mais qu'il est, on va dire, noyé par tous les rappeurs, etc. qu'il y a autour. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Enfin bref, c'était Losters. Prenez soin de vous. C'est important. Tchuss.